Paris, La République En Marche, organisait hier une soirée de lancement de campagne dans la capitale. On ne sait pas encore qui sera candidat, mais Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi et Marlène Schiappa étaient là, comme si tout allait bien, sauf que pas totalement, Céline Martelet. Preuve de cette opération séduction, consigne avait été donnée aux militants de venir chacun avec un proche à convaincre. Au micro, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ne s'est pas privé de le rappeler. Alors les plus 1, ceux qui n'étaient jamais venus à une soirée En Marche, est-ce qu'on peut lever la main? C'est ça, dans les semaines et les mois qui viennent, notre capacité à ouvrir les bras pour rassembler, elle va être décisive. Pas un mot sur la démission de Gérard Collomb, un non-événement pour Aïssatou et Samy, deux militants de la première heure. C'est des épisodes qui peuvent arriver dans n'importe quel parti. On fait avec et on gère. C'est pas, enfin pour moi, c'est vraiment pas un problème. Mais certains quittent malgré tout le meeting avant la fin. Laura voulait que les élus de la majorité la rassurent. Elle repart avec des doutes. Il y en a, oui, je leur fais confiance. Et il y en a d'autres à qui, clairement, non, je ne fais pas confiance. C'est pas parce que je suis sympathisante que je vais dire amen. Prochaine échéance électorale, les européennes, La République En Marche a donc désormais 8 mois pour reconquérir ses sympathisants les plus sceptiques.